Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission de Petit Ballon. Nous sommes dans une boucherie, c'est un peu le rêve de ma vie. Ma mère serait contente de me voir ici. Avec, avec Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous. Bonjour à tous, dans un endroit extraordinaire. C'est beau. Ouais. Pour boire les nouvelles découvertes de Jean-Michel un peu. Alors, mois de novembre, c'est aussi le début de l'hiver, un petit peu avec des plats en sauce, etc. Donc, je voulais un vin qui soit un peu carré. Et j'ai trouvé un superbe minervois. Cépage Carignan. Alors le Carignan, c'est un cépage qu'on a décrié parce que c'était le cépage des vins de table, grosse production, etc. Et puis on s'est rendu compte que quand les vignes devenaient un peu vieilles et qu'on réduisait ses rendements, ça donnait un vin absolument formidable. Alors c'est le Clos Saint-Aille, Carignanissime, donc c'est le Carignan. Minervois, on est où On est dans, oui, alors, je sais que tu as toujours problème avec la géographie. Non, nous ne sommes pas en Patagonie, comme d'habitude, mais nous sommes dans le Languedoc. D'accord. Voilà, c'est sud-sud. Hein. Voilà, on est dans l'arrière-pays, Carcassonne, au pied de la montagne noire, les Cévennes, c'est absolument magnifique. Donc un vin qui a de la couleur, bien évidemment, hein, là on a le soleil pour ça. Brillant, encore jeune, violet, c'est en 2009, hein, mais il est encore jeune. Alors au nez, voilà, c'est ça, le Carignan, petit fruit noir, le côté un peu sauvage, garrigue, poivré, le côté un peu cuir. Ah oui, c'est un cépage extraordinaire quand on sait le maîtriser. Voilà, un superbe nez. On a dit quoi, que c'est du 100% Carignan? 100% Carignan. C'est bon, hein? Ouais. Alors en bouche, tu as le soleil, bien évidemment, hein, du Languedoc, mais aussi la fraîcheur, les pieds. On est au pied des Cévennes, de Minervois, on est sur le terroir de la Lévinière, qui est le meilleur terroir, le meilleur terroir de Minervois. Et puis alors j'adore ce côté un peu poivré en finale, ce qui donne plus de longueur, etc. Alors là, évidemment, ici, on est au paradis pour ce style de vin. Hein. Alors, on peut prendre une viande saignante, une belle côte de bœuf affinée, comme le prépare Yves-Marie, mais on peut aussi aller sur des daubes provençales, on peut jouer un peu la tomate, etc. Le gibier, on est dans le gibier aussi. Du goût, quoi. Voilà, une cuisine de caractère. Ouais, ok. Voilà. Et moi, j'adore ce Carignan parce que c'est une vraie découverte, un cépage qu'on assemble souvent, mais là, seul, comme ça, je trouve ça formidable. Hyper bon. Clos Saint-Aille, 2009, très beau domaine. D'accord, donc un vin plutôt joueur que de vilain. Oui, on est sérieux ici. Ouais, on est sérieux. Vas-y, Kel. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci à vous tous de nous suivre. Et bonne dégustation. À bientôt.